Russie, un journaliste ukrainien condamné à 12 ans de prison pour espionnage. Le journaliste ukrainien Roman Soutchenko, condamné à 12 ans de prison le 4 juin 2018 à Moscou, en Russie. Vassili Maximov, AFP. Le journaliste ukrainien Roman Soutchenko a été condamné à 12 ans de colonie pénitentiaire pour espionnage par la justice russe alors que l'accusation en réclamait 14. Ce verdict pourrait impliquer un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, a fait savoir la défense du condamné. Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin, les dénégations de Roman Soutchenko n'auront servi à rien. Au terme d'un procès à huis clos, les autorités russes estimant la nature des informations débattues hautement confidentielles, le correspondant permanent de l'agence Ukrinform à Paris a été condamné à 12 ans de colonie pénitentiaire pour espionnage. Je ferai bien entendu appel de cette décision, a déclaré Roman Soutchenko après le verdict. L'intéressé avait été arrêté à son arrivée à Moscou en 2016 pour avoir rassemblé à dessein des informations confidentielles sur les activités des forces armées et de la garde nationale russe. Il a depuis toujours clamé son innocence, niant appartenir au service secret ukrainien comme l'affirment les autorités russes. L'annonce de la peine intervient une semaine après la reconnaissance de sa culpabilité, un délai plutôt court pour son avocat. Cela pourrait vouloir dire que Moscou cherche à faire un échange avec Kiev. Début mai, Kirill Ovichinsky, rédacteur en chef du bureau de l'agence publique russe d'information RIA Novosti à Kiev, avait lui aussi été arrêté, accusé par la justice ukrainienne de haute trahison.